Tomate. Il y a 52 ans, nous avons commencé une belle histoire. Ici, en gros, c'est une maison pour les sourds, une école, mais elle est surtout une maison qui a des portes ouvertes, le cœur ouvert pour accueillir toute personne en difficulté que nous pouvons nous-mêmes aider un peu. Donc le but principal pour nous, c'est les élèves, pour leur garder un niveau respectable de vie. C'est pour cela qu'on a une équipe pluridisciplinaire. On a des psychologues, on a des psychomotriciens, des orthophonistes. Et tout ça, ça demande beaucoup de dépenses. C'est pour cela que ces ateliers... Donc, à la pâtisserie, on fait les petits fours, les cookies, hein, qu'on met dans des boîtes et bien fermées. On les travaille avec beaucoup de cœur, avec beaucoup d'amour. C'est une opportunité pour les malentendants de trouver du travail. Hé, hey, Anna Suzanne, gala. Bye, Maria. Bye. Lisette. OK. C'était le but principal de l'IRAP. C'est-à-dire de la réintégration de ces personnes sourdes au sein de la société. Je n'ai pas choisi, c'est une vocation. Et après 52 ans, on est heureuse et on a de la joie dans le cœur parce qu'on a vu tous ces enfants devenir libres, autonomes, indépendants et gagnant leur vie honorablement.